لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Conseil à Bâle, étudiant de Gapan, à l'école primaire, secondaire, bien qu'il alors, étudiant, premier conseil, étudiant, premier conseil concernant l'éducation, qui est étudiant? C'est bien? Quel droit à l'école? Laissez-moi guider. Quel droit à l'école à condition de respecter le principe islamique, ça peut être sûr. Il ne faut pas nous dire qu'il n'y a pas de droit à l'école. Nous n'avons pas de droit à l'école. Il ne faut pas nous croire qu'on peut aller à l'école, là, qu'on fait tout. Tout ce qui est école, nous devons faire, nous devons faire. Non. À l'école, mais seulement nous devons connaître une chose qui appelle le principe islamique. Et dire ce qu'il nous dit, il dit. Ça, c'est le premier conseil. Déjà, le conseil qui nous dit. Hein? À l'école, il y a un important. Qui fait? Parce qu'il dans l'époque, à travers à l'école qui nous gagne un travail. À travers le travail, nous sommes capables de nourrir nos madames, nous, nos enfants. Sinon, il y en a beaucoup. Et nos enfants, ils ne peuvent pas être dans la case. Nos enfants, ils ne peuvent pas être dans la case. Comment est-ce qu'il y a une case dans la case? Vous voulez qu'il y ait une case dans la case et qu'il y ait une case pour tout le monde? Non. Comment est-ce qu'il y a une case dans la case? Hein? Il peut qu'il y ait une maman sur la case. Il peut qu'il y ait une case. Ce papa se casse, ce papa prend un casse là. Il travaille, il casse au pied. Toi, ton papa casse au pied, quoi. Comme la roue, il va casser. Ouais. C'est ça, casse au pied. C'est ça. Voilà. Et là, ce papa casse le pied. Et là, il casse mon amour. Comme tu l'as. Comme tu travailles. Alors, donc, il nous veut dire, quand à l'école, demain, un dimon, un jour de enfant, un petit grand, après comme une vivant, il nous a dit, on a madame, on a enfants, pas besoin de nourrir madame, pas besoin de nourrir les enfants, mais comment vous nourrir madame, nourrir les enfants? Il y a différentes façons, il y a différents travails, un dimon, une plantation, un dimon, bénéficier, un dimon, le tout travail, une façon pour gagner l'argent, c'est qu'il y a des, comme à l'école, nous gagnons nos résultats. Nous gagnons le travail, à travers ça, nous sommes capables de gagner là. Alors, ça, c'est le deuxième conseil, mais c'est le troisième conseil. Apprendre, quand on peut apprendre, qui lit anglais, qui lit français, qui lit mathématiques, qui lit sciences, quand on peut apprendre, nous sommes capables de travailler à travers ça. Comment? Si on peut apprendre avec l'esprit, pour servir sa éducation là, pour faire quelque chose pour moi dire. À travers l'éducation, comme tu apprends anglais, français, demain c'est une miss, ou bien un professeur, nous bien enseigner aux enfants, nous bien faire ça, pas faire ça, à travers ça, nous gagnons, d'avoir. Voilà. Ça, c'est trois questions que j'ai expliquées la semaine passée. Aujourd'hui, quatrième, pour bien quelque chose qui, comme à l'école, nous bien apprendre, nous bien connaître, tout ce que nous bien apprendre dans l'école, qui est anglais, qui est français, qui est mathématiques, n'importe qui c'est. Qui est une chose bien importante? Apprendre l'école, apprendre l'île. Apprendre l'île. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de l'école, pas besoin d'apprendre? Qui s'apprend? C'est important d'apprendre. Mais qui est une chose bien importante? Apprendre l'île ou bien apprendre l'école? Apprendre l'île. Alors, tout ça, c'est pour qui nous fait apprendre l'anglais, le français, les mathématiques, le tout. Un enfant, un musulman, les bien faire autant d'efforts ou bien plus que ça pour qu'il tout le temps apprenne ça. Je dis, il ne faudrait pas nous juste apprendre l'école, et ne pas apprendre du tout par contre le Coran. Connais-vous mes enfants par contre le Coran? Et là, on va finir de traverser cette étape-là. Si un garçon il finit arrive 12 ans, 13 ans, 14 ans, il ne va pas connaître le Coran. Quand il connaît le Coran? Jamais le soir, peut-être qu'il ne va pas connaître le Coran. Jamais dans son avis, peut-être qu'il va connaître le Coran. C'est un enfant qui traverse ça, étape 13 ans, 14 ans, pas nous connaître le Coran. Jamais dans son avis, nous connaître le Coran. Je dis à Madame Sanette, quand il y a des enfants, il y a le Coran. Hein? Il peut se diriger. Il dit, il y a ou bien, il peut croire qu'il est en métier, mais il peut croire qu'il est
Les pédia bien, non, mais un travail rien, un travail donc, un garçon, un petit fille, là, c'est là, c'est pour prendre. Nous avons fait finir prendre, qu'on lit le Coran, nous avons lire le Coran, nous avons nous dit, comme les enfants, nous disons, Tahiyyat, pas connu, Darul Ibrahim, pas connu. Après Darul Ibrahim, qui nous lit لما إني ظلمت نفسي تقولين لما إني أعوذ بك من عذاب جهنم كانوا قال لي كل جبان أملي فرنسي جبان لول ساسي جبان كونسيرا جديد دنيا جبان كونسيرا دنيا جبان كونسيرا سا سكيم أوبي نورادي كانوا جبان كونسيرا مدين جبان دابا درسان جبان القرآن سام أوبي تقول سام دان دنيا إدام et dans un khirat. Bien. Pour moi, il y a une petite chose qui nous vient coller comme à l'école, c'est inassisé dans les mêmes les haram. Inassisé dans les mêmes les haram. Inassisé, mais il y a un problème. Pour moi, il y a une chose qui est définitivement le diamètre par haram, c'est ce qu'il y a bien dessiné. Commencement, comme il fait ad, capable de se bien le mais un jour nous pouvons les besoins comme ça ils vont prendre l'ordre finalement ils vont arriver ils vont besoin de se mettre quelque chose ils n'ont pas besoin de jour ils vont besoin de se mettre jour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam financer est-ce qu'il y a un droit de se mettre jour non pas qu'un droit au contraire c'est pas un péché qui grave c'est un péché qui grave le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui, dans Dunia Lala, lui peut dessiner, lui peut dessiner Jimoun, jour et l'âme, c'est ça même, ça a été Jimoun là-même, celui qui dessine, c'est lui-même qui pourrait être une chouplie dure. C'est-à-dire pour être une chouplie dure dans Akhirat. Alors, il ne faudrait pas un enfant qui est à l'école, à cause de l'école, qui allait faire ordre, il peut bien faire ordre. Non. Une petite chose qui est haram, ça, il vous reste haram. N'importe quoi de ça, il vous reste haram. Okay. Et comme ça même, il y a certains sujets qui, dans les mêmes, n'est pas haram, mais seulement comment faire les haram. Ces sujets-là, dans les mêmes, n'est pas haram, mais façon de faire les haram. Par exemple, pire. Est-ce qu'il y a un musulman, qui veut la payer? Physical education. Qui dit physical education qui a loupé cette société? Est-ce qu'un musulman vient de l'Ibidia avant? Pensez, mais puis il va pour aller. Est-ce qu'un musulman, un garçon, ou bien un petit fils musulman, est-ce qu'il y a un droit à faire physical education? Est-ce qu'il y a un droit à faire sport? Parce que c'est un droit important fait ce cours. Pour qu'il apprenne un droit dans le monde, il ne faut pas conseiller. Il y en a un garçon, il y en a une fille, il y en a une gros. Et papa, il hérite ça. Il y a papa gros, maman gros, enfin, il se dit bon, il part tôt. Il y en a un papa malade. Et il part tôt. Ok? Mais il y en a, comment il y en a gros? Il y en a, il y en a gros. Ça, il vit bien ça. C'est-à-dire, l'islam vient condamne ça. Et dans les enfants, les malades, les petits, les malades, ils commencent à être en médecine, les gros, est-ce qu'ils nous blâment? Non, pas qu'ils nous blâment. Est-ce qu'ils sont en dos? Pas en dos. Et dans les enfants, son papa est belle, oh, son maman est belle, oh, les enfants aussi, ils sont gros, est-ce qu'ils nous blâment? Non. Mais les enfants, son papa normal, son maman normal, et aussi les petits normal, son frère normal. Après, il peut manger, il peut prendre grossir, il peut aller. Est-ce qu'il jeûne ça? Il n'est pas jeûne ça. Il n'est pas jeûne. Parce qu'il n'est pas jeûne, il n'est pas bon pour la santé. Il n'est pas bon pour la santé. Alors, qui est tifi, qui est gosse? Est-ce qu'il faisait faire sport ou pas faire sport? Il faisait sport, qui faisait faire ça? Tu vas te fumer, tu vas te faire un galop de la main? Est-ce qu'il faisait faire ça? Hein? Qui va te faire faire? Hein? Ça fait sport de place retirée, dans la case même, ou bien dans la cour qui est renfermée. Ça fait sport.
Alors, quand à l'école, qui est côté garçon, qui est côté chifi, quand il y a physical education, et j'ai garçon mettre saut, ou bien chifi mettre ça, mettre l'autre. Alors, qui sont ça dans les gars, ok, il y a un droit, c'est important de faire ce qu'on. Mais, quand PFL est d'une façon qui ne faudrait pas habiller comme ça, habiller dans sa façon-là, pas gagner droit mes pantalons, mais ça mettre saut. Est-ce qu'un musulman, garçon, a droit mettre saut? Non. Est-ce qu'un civil a droit habiller d'une façon qui n'est pas correcte? Non. Alors, donc, à l'école, pas toute chose qui peut faire de l'école bon. Pas toute chose qui peut faire de l'école bon. Non, il y a quelque chose qui n'a pas bon. Il y a quelque chose qui n'a pas bon. Il y a certaines sujets qui, dans lui-même, pas gagner droit. Or, si vous pouvez faire dans petite classe, pour m'informer, réveiller la table, si pas qui dit. Et si j'ai un dessiné un soiseau, pas gagner droit. Je dessine un poisson, un dimon, pas gagner droit. Qui serait un permissible qui fait, parce que le prophète dit qu'il n'a pas gagner droit. Si le prophète n'a pas gagner droit, le prophète dit qu'il n'a pas gagner droit. Il n'a pas gagner droit. Il n'a pas gagner droit. Dessiner. Il n'a pas gagner droit. Dessiner. Parce que l'obéissance à la classe avant. Et comme ça, il y a 26 ans qui était. Si c'est dans les mêmes, il convainc lui. Physical education, puis dans les mêmes, il y a autant lui. C'est la façon que tu veux faire lui. La façon qu'il va faire ça à l'école n'est pas bon. Alors, un musulman ne faudrait pas lui rendre, faire lui dans la façon. L'autre petite chose qui. Hein? La musique. Dans la police, quand on fait pire. Oui. Et normal. À ce moment-là, je vais dire moi, la mexicaine, c'était moi, je suis à l'école. Moi, je suis à l'école. 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 Au contraire, elle voit Miss la musique Panmini. Elle a une fois la musique de la classe qui dit. De la classe danse. La classe. Donc, ça aussi, vous avez la place. Donc, il y a 26 dans les mêmes haram, la musique, danse, tout ça, c'est quelque chose qui est haram. Il y a tout le temps qui m'ont dit, tiens, vous, on se souvient, on fait des classes là, non. Ça, c'est quelque chose qui est haram. Alors, le conseil, c'est, il y a quelque chose qui est haram dans l'école. C'est ce qu'on appelle mixité. Qui veut dire mixité? Garçon, tu vis ensemble. Est-ce qu'il nous réunit un enseignant ou ça? Non. Il y a un garçon qui est content quand il a une fille. Il est content à l'école quand il a une fille. Il va me répondre. Si il est content à l'école quand il a une fille, si, comment dire, il est content sur papa voyer l'école quand il a une cité, ceci est que tu crois. Là-bas-même. Ceci est que tu crois là-bas-même. Alors il est content pour cause qu'il a une fille. Parce que c'est le garçon qui est content. Vous avez ceci. Mais les garçons ils posent avec ce geste. Écoutez. Donc, ça, quelque chose là, les petites choses qui est haram de nous dire, garçons, petites filles ensemble. Qui lit dans l'école, qui lit dans les sons, qui lit dans ma madrasa. N'importe quoi ça, quelque chose là, il est haram. Parce qu'il nous dit, il empêche ça, quelque chose là. Pas me dire quand vous pouvez faire une raison. Pas me dire, si vous faites les sons et la garçon, petites filles ensemble. Nous allons coller un accord sur les filles ensemble. Mais c'est quand nous devons aller là, raison qu'ils sont allés, ils sont allés restent haram. Ils sont allés restent, ils restent haram. Donc, elles peuvent avoir quelque chose qui est haram quand on cause l'éducation. C'est quand on se fait ensemble. Et en vérité, ça c'est blanc café. Ça c'est blanc. Ça c'est blanc café. On a encore appelé comme petit collège. Bon, lui, il essaie de trouver de nouveau vers. The advantages of co-education. Qui va nous avantage, non? Et là, quand faire garçon, tu viens pas ensemble. Quand on vous rappelle, quand vous essayez dans la classe, comment vous dire? Il dit, il y a un avant collège, nous nous disons, il y a un troisième grade, il y a un premier grade, oui, c'est pas royal. Alors, vous essayez de dire, il y a un garçon qui a le royal. Quand je rentre dans le monde du travail, je ne suis pas capable de oh, parce que plutôt je vis avec garçon. Il y a un petit peu queen. Quand je rentre dans le monde du travail, je ne suis pas capable de oh, parce que plutôt je vis avec un petit peu.
des automatismes qui vont nous aider, même si il est capable d'aller mon travail. Je travaille plus bien, parce que tout le temps je suis ensemble, garçon, tu vis ensemble. Tout le temps je suis ensemble, garçon, tu vis ensemble. Donc, comment carrer l'individu pour craser l'islam? L'individu pour craser l'islam. Donc, nous nous disons qu'on est, ça quitte son âge à l'heure. Nous gagnons là-bas, nous pas gagnons là-bas. Quitte son âge, c'est un autre quitte son âge. C'est un PC, ça. Ça, c'est un PC. Mais, nous disons qu'on est, est-ce qu'il nous dit, il enseigne nous ça ou bien? Est-ce qu'il nous dit, il enseigne nous? Garçon, tu fais à l'école, à l'école ensemble. Ou bien il empêche ça quelque chose là. Il empêche ça, ça quelque chose là. Et quand l'islam, il empêche ça quelque chose là. Alors, dans lui-même, les bisins avaient un petit tour là-dedans. Il n'est pas capable, l'islam, il empêche ça quelque chose et il a dit bien là-dedans. Non. Si l'islam, il empêche ça, bisin, il a un petit tour là-dedans. Donc, tout ce qu'il appelle l'école, quand on vit ensemble, les sons, tu vis ensemble, les garçons ensemble, tout ça la vie est haram. Et là, avant certains parents, je t'envoie, je garçon, tu vis l'école islamique. Ensuite, tu as fait une sortie de l'école islamique, que tu apprends les gens. Hein? Garçon, tu vis ensemble. Mais qui est l'école islamique? Tu ne peux pas l'école islamique même. Tu ne peux pas l'école islamique même. Donc, ça, c'est pas une chose qui est importante. Faire croire le monde en entier, puis aller montrer. Est-ce qu'il y a pour ça l'islam en tout? Est-ce qu'il y a pour ça? Quelque chose à l'idée bien l'enseignement islam? Non. Quelque chose à l'idée toujours l'enseignement islam. Nous, garçons, chiffres pour les parents, ensemble. Qui faire? Parce que ça, c'est un plan chez toi. Comme il y a quelque chose que nous devons prendre compte quand nous sommes à l'école, c'est pas toute activité que l'école organise, nous devons participer là-dedans. Pas tout. Activité que l'école organisée, nous disons participer là-dedans. Par exemple, il y a une chose qui s'appelle Music Day. Il y a une chose qui s'appelle Music Day. Pas de musique, non? Oui, pas de sports day. Et là, il y a une activité qui est organisée. Alors, nous disons qu'on est, est-ce que nous participons ou bien nous pas? Ne pas participer à ma music day, ma gueule droit. Même les sports day, il dépend. Parfois, si six garçons, correct. Et si pour un garçon, tu vis ensemble, alors ne pas participer. Et même parfois, quand il y a six garçons, c'est sa même occasion. Quand les sports day, c'est sa même occasion. Quand il y a un garçon, quelque chose qui n'a pas besoin. Il est dans la police de Doha. Le collège Doha, sous exposé, et ma garçon, je l'amène si on va à l'église de bois. Alors, ça va l'occasion là, vous avez fait attention. Ça va l'événement là, vous avez fait attention. Alors, vous n'avez même à ce qu'il y a l'école qui organise, expiation. Est-ce qu'ils vont aller nous parler? Est-ce qu'ils vont aller nous parler? Mais ça va être quelque chose là, nous éviter. Ça va être quelque chose là, nous éviter. Qui veut dire expiation? Il y a la panne ou il y a la juive? Hein? Soi-disant qu'il y a la panne. Soi-disant qu'il y a la panne. Si un enfant a envie de promener, son papa va venir promener. Il y a la laver, je vois, il monte des pouces, il va qu'il faut monter, qu'il faut descendre. Ça, en famille, mais car il lit, ça nous fait cause dans nos systèmes, dans nos. On va dire l'école en général, dans nos risques. Un système kafir en dehors et même dans Maurice. Parce que cette activité-là, je dis, c'est une activité. Ben, l'école, comme à la boue de l'évocat, c'est pas guidé. Une semaine, tout camarade, garçon, tu vis, on peut aller. On peut camper la réunion. On peut camper la réunion. Hein? On peut monter bicyclette là-bas. Alors, ça, c'est pas quelque chose qui est haram. Alors, ce qui nous veut dire là, il y a quelque chose qui nous vient connaître quand nous allons à l'école, pas n'importe quelle activité nous y participer. Parfois, il y a une musique, des baguettes, parfois même des sports, des meilleurs rythmes à la case. Nous faisons des sports à la case, nous faisons parce que ça joue la même, pour la même garçon, pour la même cigarette. Ça même joue là, la même garçon, pour la même cigarette. Et
menace qui appelle expiation. Celui qui dit professeur pour veiller examen. Professeur, examen capable de veiller. Donc expiation, examen professeur capable de veiller. Examen professeur aussi aller, c'est examen professeur avec vous. Veillez élèves, alors on va dire chose comme ça, éviter, par permission Allah, ça peut être bon pour qu'on va dire, nous n'avons pas d'évité. Mais quand tout va dire, non, on va pas aller même expiation, bien à l'expiation, ça c'est parfois les signes qui les enfants élevés ont été pécats. Ok. Oh, mais dernier point, quoi, je vous dis, vraiment quelque chose qui nous apprend compte quand on regarde l'école, c'est livres d'histoire. Livres d'histoire, est-ce qu'il y a un droit à lire ou bien pas un droit à lire? Est-ce qu'il y a un droit à lire livres d'histoire ou bien non? Première chose que nous avons compris, livres d'histoire, livres, pas une vraie histoire, ça fausse d'histoire. Fait que quand nous faisons apprendre comment c'est dans le côté l'islam, dans l'islam, qui va une histoire? Vraie histoire. Pas d'histoire, pas le café, qui va une histoire? Fausse. N'importe quelle histoire nous peut dire café, quelle histoire? Fausse. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est important dans les histoires qui sont vraies dans les histoires qui sont fausses? Combien d'histoires il y a dans le Coran concernant Adam, concernant Nour, concernant Yusuf, concernant Harun, concernant Qaroun? Tout ça, les histoires ne sont pas liées. Il y a les histoires kafir. Alors, je veux dire, les histoires, les harams et les capables de permettre aussi. Premièrement, si vous le connaissez, qui s'assoit, c'est une fausse histoire. Et nous pouvons y aller simplement avec un objectif. On va prendre certaines petites choses. On va prendre certaines petites choses concernant la langue. Mais lire ces histoires, on va dire n'importe qui livre gagné, ni immoral, ni pas immoral, ni quelque chose qui peut enseigner anti-islam, ou bien ne pas prendre compte, ça n'est pas bon. Par exemple, un des plus grands écrivains qui finit là, c'est Shakespeare. Shakespeare, dans le passé, un des plus grands écrivains qui existe. Ça, c'est un ennemi de l'islam. C'est un ennemi de l'islam. De toutes ces histoires qu'il écrit, quand vous grenez, quand vous triez, vous trouvez qu'il y a une cause contre, une fille à écrire pour l'islam. Il y a de toutes ces histoires qui sont pour l'islam. Tout ce qu'on a dit, c'est qu'il y a une pièce de Madina, il y a une histoire, mais beaucoup moins Shakespeare, fait une cause contre l'islam de ce qu'on a dit, c'est histoire. Comment Shakespeare fait une cause contre l'islam de ce qu'on a dit. Donc, il y a des histoires pour qui a dit qu'il n'est pas fait cela. Il est capable de dire l'importance, mais ce n'est pas besoin. Parce que c'est l'histoire qui vient lire. Il y a un tafsir du Coran en anglais, il y a un hadith en anglais, il y a un livre de l'islam en anglais. Combien de livres de l'islam il y a en anglais? Si on vient apprendre l'anglais, on vient apprendre le français, qui nous vient? Allez, allez, lire de l'islam. Allez, lire de l'islam à travers ça. Un petit mot, il ne peut pas faire sur ce langue. Et l'autre petite chose, c'est lire, c'est ce qu'on dit, un plaisir. Sangali et haram. C'est bien lié avec un esprit, avec un objectif. Vous pouvez apprendre une certaine petite chose dans la langue, vous pouvez copier sa expression là, sa vocabulaire là, vous pouvez lier avec ça l'esprit là. Ok, il va passer. Mais c'est ce qu'il y a fait. Vous pouvez content pour lier cette histoire là, vous pouvez content, ça lit haram. Ça lit haram, pas gagner le droit de lire livre d'histoire comme un plaisir. Pas gagner le droit de lire livre d'histoire comme un plaisir et quand on dit comme on dit, il y a des histoires capables, il y a des histoires pas n'importe qui livre, il y a un livre qui vient écrire spécialement dire, contre l'islam ou infiltré par quelque chose qui est haram et du coup on dit pas. Alhamdulillah, je vous remercie.